parce que je faisais des spectacles pour ma grand-mère le mercredi, donc mes parents m'ont inscrit à la danse. C'est tout simple. Comme je dansais tout le temps, ils m'ont inscrit à un cours de danse. Mon père voulait que je fasse de la boxe, mais ça n'a pas marché. Oh non, enfin, pour rentrer dans le milieu chorégraphique, non, pas fort, non, pas, au contraire, il n'y a pas beaucoup de garçons, enfin à l'époque, maintenant il y en a plus, mais quand j'étais jeune, il y en avait moins. Mais j'avais un autre problème, c'était mon physique. C'est-à-dire que je n'avais pas un physique de danseur. Je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Voilà, mais du coup c'était la difficulté. Ben, oui, je n'ai pas fait d'école supérieure parce que j'étais pris nulle part. Et du coup, je suis formé autrement et je suis rentré dans une compagnie vers 22, 23 ans. Et voilà, après j'ai fait ma route. Bah, non, pas directement, mais enfin, c'était des stages qu'on faisait l'été au Conservatoire de Lyon. Ça s'appelait les Choréades. C'était bien d'ailleurs parce qu'ils invitaient des chorégraphes tous les ans et il y avait plusieurs conservatoires de France qui se rejoignaient pour faire une pièce avec des chorégraphes. Donc moi j'en ai fait quatre, comme ça, de stages d'été. Mais après, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la chorégraphie particulièrement. Ça m'a donné envie de danser déjà. La chorégraphie, c'était. Enfin, je sais pas, je crois que j'avais envie. Avant de danser, j'avais envie de faire des chorégraphies, je crois, puisque. Ouais, j'ai envie de faire du spectacle, pas forcément la danse contemporaine, je savais pas, hein, mais j'ai envie d'être sur scène, quoi. Ça dépend les projets. Enfin, il y a des projets comme celui-là où, enfin, c'est pas un sujet personnel, c'est un sujet qui appartient à tout le monde et à personne en même temps, mais enfin, ça dépend les projets. Il y a des projets qui sont plus intimes, d'autres qui sont plus, on va dire, abstraits, qui n'ont pas forcément de thématique mais ou d'histoire, mais qui sont plutôt une écriture. Enfin, après, je fais des choses très différentes selon les pièces, donc ça varie. Vous connaissez? Waouh, bien. Bah, j'ai rencontré Bernard justement dans un stage à Lyon d'été, au Coréade. Et à l'époque où je suis rentré dans la compagnie, c'était pour remplacer Bernard dans une pièce, puisqu'il avait la maladie de Charcot. Et donc, du coup, j'ai travaillé pendant 4 ans avec cette compagnie jusqu'à la mort de Bernard. Et j'ai fait plusieurs créations. Et en gros, c'est lui qui m'a donné l'élan du métier finalement. C'est le premier à m'avoir engagé, et qui m'a fait confiance et qui m'a poussé. Et qui m'a donné un de ses solos d'ailleurs aussi que j'ai dansé pendant pas mal de temps. Je danse plus trop maintenant parce que c'est un petit peu dur pour moi avec vu mon âge. Et du coup, c'est clairement la personne qui m'a donné envie de continuer, d'avancer dans la danse, dans la chorégraphie. Ou alors ça, les critères d'un spectacle réussi. Non. Non, parce que on ne sait pas si c'est réussi ou pas. Enfin, c'est pas la question. C'est un tout. C'est-à-dire que c'est le spectacle qui se passe bien, si les danseurs se sentent bien, si techniquement ça s'est pas bien passé, ok. Mais après, un spectacle réussi, je ne sais pas si ça veut dire beaucoup de choses finalement. Ça dépend comment on le regarde. Ça dépend qui le regarde et ça dépend. Enfin, chacun a son avis finalement. Ouais, là, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne sais pas par où commencer finalement. Mais enfin, c'est parti de l'idée de faire enfin, au tout début une pièce à partir d'un film. Et c'était pas forcément le film que j'avais choisi en premier. Et finalement, j'ai revu ce film-là et j'ai trouvé que c'était important d'en parler aujourd'hui. Et du coup, j'ai regardé plusieurs fois le film. Et du coup, l'idée, c'était de partir de ce film et puis de s'en éloigner petit à petit pour approcher l'histoire et puis voir comment on regarde ça aujourd'hui. Enfin, quelle mémoire ont les jeunes, par exemple, ça, je vous poserai. Si vous avez vu, je vous poserai la question. Mais même maintenant, pour vous, c'est quoi ce qui s'est passé à Hiroshima? Enfin, parce que quelque part, on a tous des idées ou des images, mais on
finalement, on n'a jamais vraiment vu ce qui s'est passé. Il y a très peu de monde, de personnes qui ont vu ce qui s'est passé. Enfin, du coup, on a été au Japon, on a rencontré des survivants qui sont encore vivants aujourd'hui, donc ils sont assez vieux. On a regardé pas mal de vidéos, de témoignages, etc. Et on a travaillé avec le mémorial pour toucher un peu la culture japonaise, la danse Kagura d'Hiroshima, enfin, travailler sur les couleurs beaucoup, puisqu'on parle beaucoup de couleurs sur cet événement. Voilà, et puis essayer d'être juste dans ce qu'on propose, quoi. Je sais pas, enfin je crois pas que ce soit plus haut qu'avant, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent danser peut-être, ou que le métier s'est développé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui va être danseur. Après, c'est pas ça qui doit arrêter l'envie, au contraire, faut y aller, quoi. Moi, tout le monde me disait que je serais jamais danseur parce que j'avais pas le physique ou pas la technique ou je sais pas quoi. Enfin, ce qu'on entend tout le temps quand on ne prend pas finalement quelque part. Mais il faut continuer, avancer. Puis un jour, tu vas savoir si tu as envie de continuer ou pas. Mais il faut y aller, quoi. Qui ne tente rien n'a rien.